Tommy, écoute-moi. C'est l'entrepreneur, ok. Je peux pas perdre ce boulot. Oui, je comprends. Écoute, on parle de ça demain, ok. On en reparle demain matin. Ok, bonne nuit. Fais une place. T'as eu une dure journée? Qu'est-ce que tu fais de beau? Il est tard. Un masque d'oreiller. Il est largement l'heure d'aller coucher. J'ai examen aujourd'hui. Oh chérie, non, pas maintenant. Je suis trop fatigué pour ça. Tiens. C'est quoi ça? Ton anneau. T'arrêtais pas que ta lingue était cassée. Alors, je me suis dit... Elle te plaît? Oh chérie, c'est gentil, mais... Je crois qu'elle s'est arrêtée. Avec quel argent t'as acheté ça? La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, dans tes rêves. Papa. C'était quoi? C'est son téléphone. Sarah, tu vas bien? Ouais. Est-ce que quelqu'un est venu? Non, quelqu'un ne devait pas passer. N'approche pas des portes. Ne bouge pas ici. Papa, tu commences à faire peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est les coupeurs. Il y a un truc qui cloche. Je crois qu'ils sont malades. Quelle maladie. Tiens. Jimmy, papa. Il s'arrêtait plus. Il disait, mais installe des barrages sur le national. On rentre plus dans.
Voldemort. Sûrement un paquet. Sûrement un paquet. Ta famille a été affectée. Calme sa maison. Dieu, comme tu sais, comme tu sais, personne ne sait. Mais c'est pas seulement, ici. Au début, il parlait juste du sud. Pardon, il parlait est, ouest.
Non, c'est moi. Ok. Nous ne sommes pas malades. J'ai deux civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres? Oui, oncle. On va te mettre à l'abri et on reviendra chercher. Ok? Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok? On veut juste... Oh merde... Je vous en prie. Oh non. Ça va. Ok. Arrêtez ma chérie. Je sais, chérie, je sais. Écoute-moi, je sais pas. Ça va, chérie. Reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais ta main. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Ça va. Chérie! Ne fais pas ça, chérie. Ne fais pas ça. Allez. Non. Chérie. Non. 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 Pitié. Oh, Dieu. Pitié. Pitié pour ça. Pitié. Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Il y avait des centaines de cadavres. Le entier a cédé à la manifestation de l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Le pouvoir est étant plus loin des droits que nous allons prendre les mesures nécessaires pour nous protéger. Nous allons désormais la dernière billette. La place est soit maintenant. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de libération universelle où Chajal a été libéré. Et les émeutes durent depuis maintenant 3 jours. Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué à l'origine des deux attaques. La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Les manifestations ont été réalisées après l'exécution de 6 membres de mes Lucioles. T'étais où, Tess? Dans le quartier ouest. On avait une livraison à faire. Oui. On avait une livraison à faire. Ouais. Tu voulais rester seul, tu te souviens. Alors attends, laisse-moi deviner. L'échange a mal tourné et le client s'est barré avec un casque, je me trompe? L'échange s'est très bien passé. On a assez l'argent de rationnement pour 2 mois, facile. Tu veux bien m'expliquer? J'étais sur le chemin du tour et je me suis fait attaquer par ces 2 gars, ok? Ouais, je me suis pris quelques coups, mais... Écoute, je suis en vie. Donne-moi ça. Et alors, ces gars-là, ils sont toujours en vie? T'es marrant. Tu sais ce que c'était, au moins. Bon, écoute, c'était personne de ces types, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Notre Robert? Ouais, il sait qu'on cherche. Il s'imagine qu'il va devoir en premier. Un fils de petit malin. Non. Il est là, c'est malin. Je sais où il se cache. Ça m'a étonné. Le vieil entrepôt de la zone 5. Mais j'ignore pour combien de temps. Mais je suis pas maintenant, ok? Oh, ça va.
Le poste de Sassac est à l'air. On n'a que quelques heures avant le couvre-feu. On va bien se réveiller. J'ai choisi pour travailler hors de la zone. C'est vraiment n'importe quoi. C'est le loup des esclaves à aller dehors. Je comprends pas la valeur. Ça, c'est la date de la dernière fois. Pas bas, bout de munitions. Mais qu'est-ce qui se passe alors?
Sois prudente. J'ai toujours jambes. C'est une question de piège. J'étais pas venu ici pour travail. Ouais, je suis un genre romantique. T'as d'autres atouts. Elle doit être quelque part dans mon coin. Je l'ai. Super, on est ici. J'espère. Pour son bien. On devrait pouvoir les couler facilement. En parlant de marchandises, quand est la prochaine livraison? Attends. Des sports. Putain, mais d'où est-ce qu'elles sortent? Il y avait rien là-dedans la dernière fois. Voilà, faire chercher. Le corps de l'or est vieux. Ça va? Ouais. Le plafond est tombé hier. Attention. Douze. Putain. On m'a mal répété. Je ne l'ai pas pété. Allez, retourne en ville.
chose que j'aime ici. T'auras qu'à demander des autorisations à la ville. Par ici. Couvrons l'entrée. Vas-y, passe-la à moi. C'est un peu lourd. J'aimerais pouvoir m'en sentir. D'accord. Ramène tes fesses, on y va. Assurons-nous qu'il n'y a pas de soldats ici. C'est bon, on y va. C'est qui nous attend. Eh ben ça sera bien intéressant. C'est bon. Allez. Si tu touches, je paye. Fait pour se faire meuter. Robert est arrivé pour une seule chose. Allons. Je ne peux pas passer par là. Ok, y'a rien.
Encore des gars pour les verts. Comment tu sais ce que je vois? Deux gars morts essayant de détester. Je te garantis que Joël est moche, je suis revers. Putain. On n'a pas le choix. C'est pas vraiment nous qui sommes sur les personnes ici. Avance.
comme les deux gars avec nous. Ils nous auraient vraiment senti. Ouais. Pas vrai.
Exactement. Ok. Oh putain! Il nous a manqué. Écoutez, j'ignore ce que vous avez dit, mais c'est faux, ok? Je veux juste... Les armes. Tu veux nous dire où sont les armes? Ouais, bien sûr. C'est compliqué. D'accord? Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer. Je dois... Ah! Oh, merde! Ah! Stop! 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 Arrête de gérer. Tu disais... Je les ai vendus. Excuse-moi. J'avais pas le choix, je m'étais engagé. Envers nous. Mais t'as misé sur le mauvais cheval. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. C'est peut-être ce que j'aurais fait si ça n'avait pas essayé de me tuer. Allez, qui a nos armes? Je peux pas. Donnez-moi juste quelque chose. Enfoiré. Qui a nos armes? C'est les Lucioles. Je les ai vendus aux Lucioles. Quoi? Écoutez, ils sont presque tous morts. On a qu'à y aller et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites? Allez! On s'en fout des Lucioles! On va les chercher! C'est vraiment une idée de merde. Et maintenant? On va récupérer nos marchandises. Comment? J'en sais rien. On peut leur expliquer. Écoute, allons voir une Lucioles. Pas besoin d'aller très loin. Eh ben voilà. La reine des Lucioles. Pourquoi vous êtes là? Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Où est Robert? Il me le fallait vivant. Les armes qu'il t'a données, elles n'étaient pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonné. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer? Faut les mériter. De combien de cartes t'as besoin? Rien à faire, des cartes de rationnement. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi. Et je vous rends vos armes, et même plus. Comment être sûr que tu les as? D'après ce que je sais, l'armée vous a décimé. T'as raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes. Je dois y aller. Vous en dites quoi? Je veux voir ces armes. Suivez-moi.